Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Parence. Aujourd'hui, nous allons nous ouvrir une petite boîte édition 2021. Du coup, en français, ça sort début juillet. Ça sort quand? Donc, c'est en avant-première. Les avant-premières, c'est le 26 juin. Et ça sort le 3 juillet en boutique. Donc dès le 26 juin, vous pouvez avoir les packs d'avant-première, les decks et les boîtes de booster. Et après, il faudra attendre le 3 juillet pour avoir le reste, c'est-à-dire les boosters collector. Alors je sais pas si dans cette série-là, il y a des cartes collector avec le grand dessin. On va voir ça tout de suite. Alors déjà en booster, on a Tef, Chandra, Liliana, et on n'a que trois visuels différents. Ok. Allez, c'est parti. Alors, ok, bon, ça c'est déjà rigolo. Du reste, réédition, la vie continue, réédition aussi de l'âge de la destruction. Incendiaire Gobelin, c'est une réédition aussi. Ça aussi, c'est en Luminaria. Ça, ça doit être nouveau. C'est sympa. C'est sympa. Ça met un marqueur plus simple dès qu'une créature meurt. N'importe laquelle en plus, c'est pas mal du tout. Arrive sur le champ de bataille, un jeton de deux blanches chevaliers, oui, c'est pas mal aussi pour te sceller. Un lien de vie, c'est déjà bien. Et pour 5, plus 3, plus 3. C'est pas. Une de 2 pour S. Très bonne aussi. Double la force de la créature, ouais. Donc ça, c'est arrive sur les incos. Je sais pas que. Donc, déjà, attaque, vous pouvez engager n'importe quel nombre de créatures dégagées. Ah, ok, ça marche. Une sorte d'exaltation, mais il faut engager les créatures. Dryad Kyrianès qui était rare avant. Donc, ça n'a plus du tout la même force qu'avant, où ça, c'était, ça donnait. Ça avait créé un deck à lui tout seul. Et maintenant, les Hounds deviennent des chiens. Donc maintenant, c'est bon, c'est. Les premiers chiens arrivent et donc tous ceux qui étaient Hound avant, c'est-à-dire chien de chasse, passent chien tout court. Donc voilà, ça booste, donne +1/+1 aux chiens. Et chaque fois qu'il attaque, on prévient toutes les blessures de combat qui doivent être infligées, sauf aussi aux chiens qui vont contrôler. Donc voilà, avec ça, les chiens peuvent attaquer sans souci. Et un emblème, premier booster, c'est sympa. Et une petite feuille. Zombie emprisonné. Perdu point de vie, ok. Ça c'est réédition, fin de réédition. Sanctuaire des eaux calmes, au début de... Ah bah oui, c'est les shrines, ok. Donc ça pioche X cartes, X est en nombre de reliquaires, et on se défausse d'une carte. Donc si on a les 15, ça fait... on fait 0 de CA, mais on filtre. Et à partir de 2, on commence à faire du CA. Sur Chantier, mais il est pointé pour chaque créature que vous voyez. Oui, il y a thème vol dans cette série là aussi. Hein. Donc il y a le thème chien, le thème vol. Donc à chaque fois qu'il devient en dégagé, on peut payer 2. Ouais, c'est pensé à son round. Et première rare folle, sympa en plus, c'est très bonne carte. Le copain de Kiki Jiki. Donc ça, les deux premiers boosters sont pas mal. Réédition d'en place Pharos aussi, qui était de Fléau à l'origine, qui était un peu joué pour aller chercher les gros tons. Il y a pas mal de rééditions, ça c'est nouveau, réédition. Éliminé, très très bonne carte. Alors ça, très très bien, ça fait penser un peu à Smother. Sauf qu'en plus, bah, du coup, ça cible maintenant les Planeswalker. Réplicateur de Chrome. Ouais.
Ça peut être bien de temps en temps, quand même. Édition. Temple du silence. Temple du silence. Toujours édition. Wow! Cool! Une bonne surprise. Donc, a priori, de temps en temps, on va avoir un petit terrain. Un petit terrain spécial. Ah, il pète sur le violet, il est bien. Violet, la fameuse sixième couleur de Magic depuis des années. Moins 20 ans. La rumeur. Option, ça aussi c'est cool. Qui a édité ça. C'est très demandé comme carte. Ok, un contrôle magique. Surcharge. Essoufflement de Garruk. Ok, sinon, ouais, une carte de pioche, c'est pas mal. Et une petite araignée. Alors, défense esminique de bleu. En plus, elle est portée, ça tombe bien. Et à chaque fois qu'elle prend des points, on met une araignée à 1, puis on met des points de bleu. C'est pas mal. C'est rigolo. Beaucoup de rééditions dans les communes, ça c'est très très bien. Abolir aussi réédition, mais on peut bien aussi. Une nouvelle carte. Un 4 vol lien de vie. Donc si on gagne 3 points de vie ce tour-ci, chaque adversaire perd 3 points de vie. Avec un dessin très sympathique, très joli. Zinco, hop. Un fouineur encore une fois. Donc très bien. Toutefois, il est. Et encore un emblème, c'est cool. On a déjà deux emblèmes, d'ailleurs on n'en a qu'un par boîte, on en a deux. Mitoire de la fierté. Donc quand il arrive en jeu, on met un marqueur plus en plus 1, c'est une créature ciblée, donc il peut passer lui-même 3-2. Et chaque créature avec un marqueur plus en plus 1 a le piétinement. Sympa. Une brume, moins 2, moins 2. C'est pas mal, c'est très beau, très très bien. Quasiment un de. Quasiment le meilleur de la série. Une gain de vie. Quand un certain arrive sur le champ de bataille, s'il arrive depuis votre cimetière, que vous leur saisissez, vous le cimetière, vous avez vu, ok. C'est marrant. C'est marrant, c'est marrant. Si on peut le jouer au cimetière, ça nous fait un petit démon. Ben. Ouais. Ça a l'air pas mal, un joli dessin, mais. On pioche pas si on booste nos permanents. Ouh! Bon, il y a des très belles cartes dans cette série. Simulacre. En plus, Simulacre, quoi. Donc, du coup, deux rares dans le booster, dont un Simulacre version grand dessin. C'est cool. Normalement, il y en a entre 1 et 2 par boîte, parfois 3 des dessins comme ça, si ça suit les anciennes séries. Bon, ça déjà c'est cool. Et un des griffons. C'est rigolo. Si on devait piocher une carte, excepté la première, on en pioche autant. Donc très très bien. Je vais un peu plus vite parce que on va essayer de faire une vidéo qui dure pas 3 heures non plus. Un petit chien, réédition de Koal, encore un temple. Et un pirate. Le shrine 5 couleurs.
Donc ben, ça c'est vraiment très bien, c'est vrai, ça tutorise les shrines. Et après bah, c'est overkill, hein, si ça déclenche les shrines en x2. Les feuilles, tac. Ascension. Alors, peste Krokagula, contact mortel, donc très très bien pour le sceller. À chaque fois que je attaque, ça perd un point de vie, ok, ça fait un drain de vie quand on attaque avec contact mortel. Et ça fait contact mortel sur les plaies sur le cœur aussi. Donc, voilà. Ça va être très embêtant pour le sceller. Oui, ça, très bonne commune, j'aime beaucoup ça. Pour ceux qui vont jouer des Benslayer à 5 mana, on la gère pour un mana. Entité de l'orage, ça coûte 3 de moins lancé si vous avez lancé un sort d'éphémère rituel. Ça peut être pas mal. Une petite option, puis ce sort il nous revient à 3 en tout. Donc ça serait dans un jeu avec beaucoup de spells. Éventuellement un bleu-rouge. Bon, pour l'instant un beau terrain, mais on n'en a qu'un. Encore un temple, décidément. Thalidée et réédition. Le token chat. Le puma caché sous les herbes. Réédition, ça aussi réédition, c'était rare avant. Hein. Mauvais plan, les joueurs de commandant multi vont aimer. On pioche deux cartes et chaque adversaire se défausse de deux cartes et chaque joueur perd 2 points de vie. Encore un petit chien. Le deuxième chef de meute. Ah, c'est alternatif. En soulèvement de Garruk. Ça rend bien, c'est sympa. Et la première mythique. C'est pas la meilleure, mais bon. C'est quand même Mangara, pour ceux qui ont connu Mirage. Et encore un deuxième. Donc ça nous fait deux terrains. Dessin alternatif. Sympa, des petites cartes comme ça. Ça coûte rien, ça fait toujours plaisir à voir. Après, quel terrain basique pour jouer dans son deck? Il y en a tellement des beaux maintenant. Transfiguration, bah, pour ceux qui ont connu polymorphisme. En plus, Zombie Cart est pas la prochaine série, donc s'ils font des gros pâtés. Ça sera peut-être joué. On a joué sans créature. Sonde et l'abysse. Déjà le dessin il est très space. Alors, le joueur ciblé pioche un nombre de cartes égal à la moitié du nombre de cartes de sa bibliothèque. Et perd la moitié de ses points de vie. Arrondissé à une unité supérieure à chaque fois. Voilà, c'est une bonne carte à combo, ça coûte 7 quand même. Et en même temps, ça pourra tuer l'adversaire. Sans le tir noir, qui draine celui-là. Flubustière, très bonne réédition. Voir la vérité, ça a l'air pas mal. Soit on pioche une carte et on en pioche 3 si on ne l'a pas joué de notre main. Ça peut être sympathique avec des effets de Snapcaster Match ou autre.
Intendant de Liliana avec le bord spécial. Très beau dessin. Orateur des cieux, c'est sympa. Et en plus, on peut mettre des anges 4-4 si on a gagné nos 7 points de vie. Donc, il fallait spoil. Normalement, on va avoir un petit fire spoil. Ah oui, en cette version-là, en plus, il y a plein de dessins légèrement différents de Teferi. Ah, bah. Bass Ricket, deuxième mythique, mais cette fois en dessin. Donc une pastille un peu mal centrée. Avec le dessin spécial. Enfin, le contour spécial, je crois que le dessin de base c'est le même. Ouais, c'est le même. Et un temple folle, c'est sympa, c'est toujours une bonne carte. Hop, encore un dessin. Enfin, je sais pas si elles existent. Je pense pas qu'elles existent toutes en dessin en cadre spécial. Un guest. Peut bloquer que les créatures avec le vol. 2 pour 2 vols, c'est très bien. Engager une créature. Ok. Très très bien. On engage 2 esprits. Et on engage une créature. Très très beau dessin. Dans le Shaman Quête. Très très beau. Ce qui est dommage. Non, bah, après, on pouvait pas trop les faire en. Enfin, si, on peut les faire en grand dessin sur le bord, mais. C'est pas mal. C'est sympa. Allo, sortie de ruine. C'était en Sombre Land. C'était un petit peu joué pour contrer certaines cartes qui étaient soit trop fortes, soit redondantes. Tac, Shrine Blanc qui fait que on engage les créatures. Antenne Glorieuse réédition. C'était Urza, donc ça date ça. Après, ça a été réédité en 7ème, 8ème, peut-être 9ème aussi. Ça fait croisade chez nous quand même. C'est, enfin, pas que croisade, parce que croisade c'est les créatures blanches, mais ça donne plus un plus un à toute la bête. Encore un chien bleu, encore une tisseuse. Alors. Un colis de batterie en dessin, c'est fait un peu comme s'il y avait de la poussière dessus, de la poussière de sable. Faire de la foire réédition, c'était en tout premier Avnica, il me semble. Taquina Réfontaire, ça sera rigolo. Je sais pas si vous avez vu la vidéo YouTube sur cette carte là, des gars qui se mettent des baffes. Et c'est celui qui donne l'ordre de donner des buffs qui se les prend. Très très rigolo. Je vous conseille de regarder cette petite vidéo YouTube. Qui était la présentation de cette carte. Voilà, donc tous les dégâts qu'il prend, bah, ça va chez l'adversaire. Encore une forêt avec bah, c'est la même. Et une anomalie. Très jolie. Je sais pas si j'aurai le temps de finir la boîte sous les 20 minutes, ça paraît chaud. Vito, la très bonne rare, je pense qu'il va être très très demandé. Parce que ça fait dès qu'on gagne des points de vie, on fait des dégâts, et du coup il y a moyen de faire des combos avec des boucles. Ça fait un peu comme l'enchantement qui était sorti en Avacine, il me semble. Une mythique, très très bien, 5-4 vols. Les sorts que vos adversaires coûtent 3 points de vie à lancer si, dès que ça cible le dragon, donc c'est pas mal. Ici, se prend bêtes, il peut avoir l'adversaire prend au moins 3, donc c'est toujours ça. Fiche de n'importe quelle cible, un nom de blessure égale à sa force à cette créature.
à n'importe quelle cible, c'est super fort. Gadrak, encore un dragon. Allez, est-ce qu'on va voir encore une belle carte? Du genre Simulac Solennel. En plus en foil. Très joli. C'est vraiment bien si je trouve que c'est plus beau que ce photo sur internet. Incinérateur de Chandra, est-ce que ça sera joué? Au moins ça sera testé, je sais pas, je sais pas si ça va être joué. Ça coûte, c'est 6 pour 6 et qui coûte X de moins égal aux dégâts qu'on a infligé non combat. Prêtresse réédition d'une carte des packs commandeurs qui valait très cher, d'ailleurs. Donc ça, c'était pas mal pour contrer certains sorts qui sont joués. De manière non légite. On peut pas le bloquer, ok, défoncez-vous de votre main, jusqu'à la fin de tour, chaque fucking créature. Un petit plus un combat, plus une carte, ouais, ça va un peu spécial. Subir. Un molosse. Nécrodémence. Bon, on va arriver sur la fin de vidéo. Et normalement, je n'aurai pas le temps de finir la boîte. Je vous dirai dans les commentaires si j'ai ouvert des belles choses. Genre un Teferi. Ouh. Bah voilà, c'est bien. La vidéo peut se terminer avec ça.